Salut tout le monde, c'est BlastImpact, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops The Lost Spot 5 sur la map Standoff. Donc on va en Allemagne aujourd'hui, si c'est bien en Allemagne je pense, hein. Peut-être que je me trompe. Donc nous sommes du côté C en domination et donc on va commencer sans plus tarder. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce spot car il est vraiment utile en début de partie surtout. Je vais rentrer vraiment qu'en début de partie. Vous allez vous placer entre le tonneau et le portail. Et vous allez placer votre tomahawk comme je le fais maintenant. Vous allez placer le haut du curseur qui va toucher le fil et le bas du curseur qui va être à peu près dans la ligne du trait de la tuile. Donc c'est vraiment dur à expliquer. Si vous voyez le morceau de tuile cassé, bah c'est la tuile de droite sur le petit trait. C'est vraiment dur à expliquer. Vous faites exactement comme ça. Vous pouvez être en pause et bien analyser où est-ce que je passe mon tomahawk. Et donc maintenant nous allons suivre à la troisième personne le tomahawk. Mais j'ai oublié de dire qu'il fallait vraiment sauter avant et qu'il fallait vraiment sauter haut. Dès que vous êtes vraiment le plus haut possible, vous lâchez votre tomahawk. Donc on va commencer par suivre le tomahawk à la troisième personne. Donc il va passer au-dessus du toit pour aller à un endroit, donc comme je vous l'ai dit, où beaucoup de personnes s'y mettent. Après avoir capturé leur position, ils vont s'y réfugier pour camper, pour tuer tous ceux qui veulent aller prendre B. Et il est vraiment utile. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser regarder un petit exemple pour bien vous montrer. Désolé qu'il marche. Merci aux chaînes communautaires si vous uploadez mon spot, car tous mes spots, je les trouve moi-même, et ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.